Je vous retrouve aujourd'hui parce que je m'en vais chez la coiffeuse et je voulais vous montrer mes cheveux avant... Avant coiffure, avant modification, si je puis dire, vu que je vais encore refaire un petit quelque chose. Et en fait, je voulais vous montrer mes cheveux à l'état naturel, vraiment, c'est-à-dire jour 2 et pas coiffé. Voilà, comme ça vous voyez que non, mes cheveux ne sont pas tout beaux, tout bouclés en permanence. Et quand je dis que c'est la touffe d'Hagrid, ce n'est pas une blague. Je pense que ça se voit qu'il y a une fameuse repousse depuis le mois d'août. Je sais, il est temps d'y aller. J'y vais. Sinon, je vais être en retard et je vais essayer de vous emmener avec moi. Hello. Je ne sais pas comment continuer cette vidéo en fait, parce que j'ai fait l'intro hier avant de partir chez la coiffeuse, mais pour vous, il n'y aura que quelques secondes qui se seront passées, tandis que moi, il y a 24 heures. Donc, soit, j'espère que vous allez bien, recoucou. Je viens vous montrer le résultat de mon passage au salon de coiffure Gemini 14, Gemini 14 en français. J'ai donc changé de coiffeur par rapport à la première fois. Le coiffeur chez qui j'étais allée n'était pas mauvais, d'ailleurs la coiffeuse de maintenant m'a dit qu'il avait fait du beau travail à l'époque. Étant donné que je partais d'un aîné, c'était quand même pas mal. Mais il y avait eu quelques petites choses qui m'avaient un petit peu embêtée. Et puis j'avais envie de tester quelqu'un d'autre tout simplement. Donc je me suis tournée vers ce salon-là qui se situe sur la 14e rue et entre la 6e et la 7e avenue à Manhattan. On ne sait jamais si ça vous intéresse. J'ai regardé la vidéo du mois d'août avant de filmer celle-ci pour pouvoir me souvenir des petites choses qui m'avaient marqué au premier salon et pour pouvoir vous dire qu'effectivement il y a eu des petites différences cette fois-ci. Alors déjà je vais commencer par un grand applaudissement parce que le processus a pris aussi longtemps, c'est-à-dire que mes cheveux sont encore plus longs qu'en août, mais surtout il y a une fameuse masse, donc la coiffeuse a mis un certain temps à faire la couleur, enfin la décoloration plutôt. Mais dans ce salon, Gemini 14, on a à boire, du café, un verre de vin si on veut, les toilettes sont accessibles, le personnel est aux petits soins, tandis que dans le premier salon où je suis allée, c'était beaucoup plus rudimentaire, pas en mode pouilleux versus glamour, hein, mais plutôt, bon, en mode pas un verre d'eau en 6 heures de temps, comment vous dire? Donc déjà l'expérience était super sympa, c'était très agréable même si je suis restée toute l'après-midi. Ça c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dit. C'est normal hein, un balayage ça prend du temps, une décolo ça prend du temps. Et avec une touffe agridesque comme la mienne, ça prend du temps. Alors, ce qui a été fait différemment aussi, c'est que moi j'ai expliqué à l'ISAM, ma coiffeuse du jour, que je voulais un balayage parce que j'ai envie d'éclaircir mes cheveux progressivement, mais la première fois, Arthur, le coiffeur, m'avait fait plutôt des mèches, c'est-à-dire qu'il avait fait la technique foils, en anglais, avec de l'aluminium, je sais pas comment on dit en français, mais vous savez quand on emballe les mèches dans de l'aluminium, il avait fait par étage, on va dire, donc c'est-à-dire qu'il prenait un étage de mèche et il faisait une décolo, et puis il laissait une fine couche de mèche brune, et puis ensuite, voilà, en étage, comme ça, je sais pas le dire autrement. Donc je m'étais retrouvée avec plein d'aluminium sur ma tronche, et au final, c'était très joli parce que ça donnait du volume, parce que quand il y a des couleurs différentes qui sont les unes à côté des autres, ça donne un effet de volume, mais avec mes cheveux qui sont... voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer, vous savez comment sont mes cheveux naturels, parfois ça donnait pas très bien. C'était encore une fois mon avis, j'ai jamais eu personne qui m'a dit que c'était moche, mais moi j'avais envie de changer, du coup je lui ai dit est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir quelque chose un peu plus fondu. En fait j'ai montré la même photo que j'avais montré à Arthur, que je vous remets ici, qui est un peu ma photo référence parce que j'aime beaucoup l'effet, c'est-à-dire avec les racines foncées, donc elle a pas du tout touché aux racines, vous voyez, certainement même un ou deux cheveux blancs, j'ai pas osé lui demander si elle en avait vu beaucoup. Ah. Et je lui ai demandé de faire plutôt comme un ombré dans le fond. Bon, elle m'a dit que c'était un mix de plusieurs techniques. Moi, j'y connais rien en jargon de coiffeur et encore moins en anglais. Hein. I lifted her hair to a 10. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Lift to 10, s'il y a des anglophones qui savent comment traduire ça, parce que j'ai essayé de regarder sur internet, mais j'ai pas trouvé l'équivalent, dites-moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait une belle décoloration et qu'en plus, c'était une des premières fois qu'elle utilisait un nouveau décolorant qu'ils avaient reçu dans ce salon qui est encore plus efficace et moins agressif pour les cheveux. Et c'est vrai que je ne sens pas du tout mes cheveux ni élastiques, ni cassants, ni secs. Bon, évidemment, hier, j'ai eu un soin et tout ça. J'ai refait un petit peu mes cheveux ici parce que rien ne tient. Rien ne tient sur moi. Je reviens avec un brushing. Quand j'arrive à la maison, mes cheveux sont bouclés. Si j'ai des boucles comme à la sortie du coiffeur, j'arrive à la maison, mes cheveux sont détendus, donc j'ai juste refait quelques petites vagues avec mon fer à lisser. J'étais très contente en arrivant au salon parce que j'ai expliqué la situation à la coiffeuse. Je lui ai dit que voilà, le premier coiffeur avait dit que ce que j'avais à l'heure actuelle et en août, c'était le plus clair qu'on pourrait avoir parce que j'avais eu du henné dans mes cheveux. Je fais une petite parenthèse tout de suite, le henné n'est pas impossible à décolorer.
la bonne preuve ici. Mais le problème se passe quand il y a des sels métalliques dans le henné. Ce que je n'ai jamais utilisé. Mais les coiffeurs, loin de moi l'idée de faire une généralisation, mais j'ai entendu la même chose de tous les coiffeurs avec qui j'ai parlé, partent du principe que le henné ça va pas et que le henné a des sels métalliques. Et c'est peut-être une vieille croyance parce qu'avant les hennés contenaient effectivement souvent des sels métalliques. Donc on a beau leur dire que les nôtres ou que ceux d'Aromazone n'en contiennent pas, hein. Donc il y a quand même une petite barrière en mode compréhension. Mais l'ASM m'a dit non, il y a moyen encore. De toute façon, on va poser le décolorant et on va voir jusqu'où ton cheveu veut bien aller. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un va faire la même chose que moi et va se retrouver avec les cheveux platine. Et moi, je me retrouve avec un mélange parce qu'elle m'a dit qu'elle avait fait deux nuances dans mes cheveux. Et c'est blond moyen et blond clair. Encore une fois, je vais dire la même chose qu'en août. Je n'y connais rien dans les noms de couleurs de cheveux, donc... S'il y a des coiffeuses dans la salle ou des coiffeurs, éclairez-nous sur ce que j'ai comme couleur pour le moment. Et je pense que j'avais commencé une phrase en disant que je voulais quelque chose de plus fondu. Du coup, ce qu'elle a fait, l'ASM, c'est qu'elle ne m'a pas fait la technique de l'aluminium, mais elle a décoloré l'ensemble de mes cheveux. En fait, si vous voyez, je n'ai plus de cheveux bruns dans ma longueur. Il y a juste mes racines qui sont toujours brunes, châtains, avec le fondu qui, je trouve, a été très bien réalisé. Je lui ai également parlé du fait que le premier coiffeur avait fait la décolo en ne tenant pas compte de ma raie de cheveux, c'est-à-dire que moi, vous le voyez, c'est pas du tout au milieu, et j'ai en fait un épi de chaque côté, ce qui fait que je sais mettre ma raie au milieu, c'est juste que depuis toujours, ou presque, j'ai ma mèche comme ça sur le côté, qui un jour, j'espère, va repousser, hein, pour rattraper ça, bonne chance, mais voilà, moi mes cheveux c'est comme ça que je les porte. Et elle m'a dit qu'effectivement c'était pas normal, et c'est ça aussi que j'ai apprécié à ce salon, c'est que je ne me sentais pas gênée, j'ai pas eu peur d'avoir l'air bête, comme en août. Je pense que le fait qu'un coiffeur soit avenant ou pas, ça peut aussi changer votre expérience et le résultat. Parce que voilà, en août j'ai pas osé dire, mon gars, je mets pas ma raie au milieu, et je me suis retrouvée après du coup à devoir la mettre au milieu, sinon ça faisait des drôles de raccords. Ici, je pense qu'on voit très clairement que c'est vraiment très joli, vraiment très bien fondu. Moi, c'était vraiment ça que je voulais. Et elle m'a d'ailleurs dit, ce qui est bien avec le balayage, c'est que t'es pas obligé de venir toutes les 3 semaines faire une retouche. Ça peut se fondre et pousser sans trop de soucis, surtout que moi, j'ai gardé la racine foncée. Tous mes cheveux ont été enduits. C'était très drôle parce que c'était la première fois, du coup, que j'avais un décolorant qui, au bout de plusieurs minutes, je ne sais pas combien de temps ça a posé, mais... un certain temps, séchait en fait, donc mes cheveux étaient ding ding comme des baguettes. Et puis à la toute fin, elle a mis au-dessus de ma tête un appareil qui ressemblait à un ovni, un truc chauffant, comme les casques, comme les mamies font pour leur permanente, mais un truc, une soucoupe là, qui tournait au-dessus de ma tête. C'était très agréable, c'était bien chaud. Et en fait, c'était encore pour activer le produit, pour essayer d'avoir la décoloration qui va fonctionner au maximum. Ensuite, j'ai eu droit à de multiples shampoings et soins, et à un bon gros toner, bien évidemment, parce que, bah voilà, y a rien à faire. Mes cheveux sont à tendance rougeoyante, c'est la couleur naturelle de mes cheveux. Comme vous verrez sur les photos avant-après, bon, il y a la lumière aussi qui joue, mais mes cheveux, même après la première décoloration, gardaient ce ton chaud. Heureusement, je trouve que même au fur et à mesure des mois, c'était pas devenu jaune pipi, c'était pas devenu orange, c'était pas non plus moche, mais... ils sont comme ça, le rouge ressort. Il n'y a rien à faire, du coup le toner est absolument indispensable pour moi. Et c'était trop drôle parce que pendant que j'avais la tête dans le bac, il y avait les coiffeurs et coiffeuses du salon qui passaient, qui disaient « Oh mon dieu, mais c'est magnifique. Oh mon dieu, c'est sublime. This is sublime. » Et moi j'étais là « Je veux voir, je veux voir. » Et puis elle dit « Non, non, mais t'inquiète, tu verras, mais pour le moment, c'est nous qui parlons sur toi et tout. » Je dis « Bah écoutez, je préfère que tout le monde dise « Oh c'est beau » que « Ouf. » C'est spécial. Donc ça, franchement, c'était chouette parce que c'est vraiment un salon hyper sympa, hyper convivial où les gens passent, disent « Oh, c'est super beau, la couleur te va bien, c'est vraiment très réussi. » Et puis ben, c'est chouette aussi pour la coiffeuse parce qu'elle a fait un fameux boulot. Et après, elle m'a fait un brushing. Alors c'est trop drôle parce qu'ici, je n'ai même pas regardé s'il y avait l'option brushing, mais moi j'ai demandé un blowout, et en fait c'est le brushing à l'américaine. Ce qui ressemble un petit peu à ça, c'est le brushing un peu farafossette. Avec le mouvement qui n'est pas raide comme des baguettes, comme on peut avoir en Belgique, en tout cas moi, et ce n'est que ma petite expérience, bien évidemment, à chaque fois que j'ai demandé un brushing chez une coiffeuse ou chez un coiffeur, j'ai eu un brushing baguette. Donc c'était très marrant. Et puis elle a voulu faire des photos avant-après aussi pour sa page Instagram, que je vous mets ici. Ne hurlez pas avec la photo avant, j'avais brossé mes cheveux. From Hagrid tout quoi. Cinderella. Du coup, elle m'avait fait quelques petites boucles avec le fer à friser et j'étais vraiment ravie du résultat. Certes, ça dure longtemps, mais bon, j'y vais pas toutes les 3 semaines. Et franchement, je suis super contente du résultat. Je rêve d'avoir les cheveux blonds depuis très longtemps. J'aime quand même garder ce petit côté racine foncée parce que j'aime le dégrader
de couleur dans mes cheveux. Je sais pas si un jour je ferai tout blond, parce que j'ai déjà eu des mèches blondes quand j'étais plus jeune, et je sais pas. Je sais pas si c'est le fait que c'était des mèches ou autre, mais je trouvais pas que d'avoir du trop clair au-dessus de mon visage m'allait bien, tandis qu'ici je trouve que ça garde quand même une belle harmonie de couleurs. Je suis vraiment fan du résultat. Alors maintenant j'attends vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez aussi le fait que ce soit un peu plus fondu, beaucoup, beaucoup moins méché, même pas du tout méché par rapport à la fois passée? Et que pensez-vous de la couleur? J'espère que cette vidéo sur ma nouvelle expérience capillaire vous aura plu mes petites biches. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour pouvoir me suivre au quotidien et pour qu'on puisse échanger encore plus régulièrement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.